J'ai toujours été commerciale par le passé et puis j'ai découvert les pur sang en 2013 et pendant un an j'ai quand même monté à cheval à l'entraînement. On est venu au Vent de Deauville avec ma maman pour faire un petit tour, des petites vacances. On a été séduits par la Normandie, les chevaux, on a vu des annonces immobilières et puis ben, nous voilà. J'ai pas encore assez d'expérience pour répondre à celle-là. Je faudrait me reposer la question dans 10 ans. Dans 10 ans, un ara qui tourne autonome avec déjà élevé quelques bons chevaux, une petite écurie d'entraînement et peut-être un ou deux étalons. C'était ici au ara, mais avec l'aide de mon voisin quand même, parce que c'était un peu la panique. La première vente, c'était un poulain que j'ai acheté foal, que j'ai revendu yearling en octobre 2016. Non. J'aime presque toutes les musiques sauf les opéras et le jazz. J'aime pas le jazz. Si j'aurais voulu, j'aurais été forte, mais je n'avais vraiment rien à serrer. On va dire la couleur rose. Je sais pas. J'étais toujours bleu clair quand j'étais dans les chevaux de sport. Et avec les chevaux de course, je me suis dit, le jour que j'aurai une Kazakh, ce sera rose. Mais ne me demande pas pourquoi. Lila. Parce que mon frère, quand il était jeune, il n'arrivait pas à prononcer Olivia. C'est donc, c'était Lila et ça l'est resté. Ça l'est toujours. Au quotidien, c'est la tablette. Par contre, si j'ai un partant ou quoi, je vais quand même acheter le pari turf. Il y a pas mal de bons jockeys. Après, j'espère qu'un jour, ils vont monter pour moi aussi. C'est pas très facile quand on débute. Je dois quand même dire que j'aime beaucoup Alison Massin, qui a fait la seule victoire pour moi et qui se trouve qui monte très très bien. Elle était encore cavalière à l'époque, mais c'est une fille qui monte très très bien à cheval. Ben, on verra ça bientôt, mais pour l'instant, la mère de Première Étincelle, elle est bien partie. Ma maman, elle a eu 1% quand elle était jeune. Elle s'appelait Étincelle. Et quand elle m'a proposé ça, tout de suite, j'ai dit on fonce. Parce que je ne voulais pas un nom impersonnel comme le nom de lieu-dit. Étincelle, ça rime quand même avec pur sang et course. Donc, on souhaite faire des étincelles. Ah, ils ne sont pas très bons. À part les courses à Barragam où on partait boire des bières et on voyait à peine un cheval. J'ai été 2 fois aux courses, pareil, boire une bière et miser 2 euros, mais sans me poser aucune question. Et ma première expérience sur un champ de course, où j'étais vraiment avec un professionnel, c'était un cross et il y a des chevaux qui sont accidentés, donc c'était vraiment, vraiment pas bien. Oh non, c'est pas possible. On est né avec, hein. Non. Non. Non, merci Francie.